malgré les problèmes, la crise, la politique, enfin voilà, tout ça, je trouve qu'au niveau culturel, ça bouge vachement. Il y a des choses qui se font, il y a des idées, il y a des propositions, il y a des groupes qui se montent. Du théâtre, c'est un vivier d'artistes et c'est une chance, ouais, c'est un privilège d'être corse. Les points forts en tant qu'artiste, quand on vit en Corse et quand on évolue en Corse, d'une, la qualité de vie, la facilité pour un artiste. Par exemple, je vais prendre l'exemple de la musique. Pour monter un groupe, pour répéter, il y a cette facilité pour se retrouver. Et je pense que c'est ça, le point fort. Et quelquefois, on s'en rend pas assez compte. Certains artistes s'en rendent pas assez compte. Et je pense qu'il faut prendre ça vraiment comme une chance. Est-ce qu'il y a des points faibles? On va dire que l'hiver, c'est un peu plus calme. Il faut s'en servir justement. On ne peut pas faire beaucoup de scènes comparé à l'été avec les tournées et tout ça. Et puis on ne trouve pas toujours tout. Mais je trouve qu'il n'y a pas tant de points faibles que ça. La Corse à l'extérieur, elle est perçue de plusieurs façons. Alors à qui va me dire « Dieu, mais la Corse, mais c'est dangereux ». Alors là-dessus, je monte un peu au créneau, mais je me suis calmée parce que sinon je me dispute tout le temps. Et puis d'autres, la Corse est perçue comme un, comme un fantasme en fait. C'est un peu… « Ah ouais, t'es Corse ?» Il y a comme un truc… Bah oui, j'aurais pu être normande, je sais pas, enfin… Bah non, ouais, je suis Corse et c'est là qu'on se rend compte que c'est une sorte de privilège. Et j'entends souvent « Ah, j'aurais bien aimé être Corse ». Et quand une personne a la moindre petite origine, par exemple une arrière-grand-mère ou une grande-tante, tout de suite ils vont vous le dire parce qu'ils sont super contents, ils sont passionnés. Et je trouve ça génial, quand on est Corse, on sait qu'on vient de quelque part en fait. Ouais. Je suis optimiste. Bon, il y a des efforts de partout, il y a des choses à changer, à évoluer, à faire évoluer. Des mentalités aussi, faut s'ouvrir. Moi, je pense que ça se fait. Ça se fait, je vois des choses qui se font, qui n'existaient pas avant. Et ouais, je suis optimiste quand même. Ouais, il faut continuer à rêver.